l'amour des villes. Je le reste à la main par précaution, j'ai un peu ficelé manière que ça tienne et j'espère que tout ira jusqu'à la ferme. Là, on a ficelé les deux balles. J'ai quelques morceaux qui sont tombés que j'ai mis dans la fourche du Bob. Je le déposerai manuellement, mais ça attendra demain. Mais Eric est allé récupérer la vanne au vétérinaire. Alors, Malala. Montre-moi la patte. C'est plus Malala. Vu qu'il n'y a pas eu assez de chair pour pouvoir être recousu, ça veut dire pansement jusqu'à ce que tout soit refait. Mais ça veut dire beaucoup de visites vétérinaires encore et toujours. Ça, on va sortir les chèvres. On est super en retard. J'attends qu'Eric se change et je vais lâcher les fauves. Puis il faudra que je vienne terminer le bâtiment. J'ai ressorti le fumier parce que pour la deuxième fois consécutive, l'abreuvoir, le tuyau a lâché. Donc on va changer le système d'attache puisqu'on n'arrive pas à stabiliser. Ça bouge. Et derrière, c'est très inégal, ce sont des rochers, donc on ne peut rien faire. La propriétaire ne veut pas qu'on utilise de ciment, donc bref, voilà, on ne peut pas travailler. Donc on va essayer de mettre comme on a fait pour l'autre. Voilà, on a mis l'abreuvoir sur cette palette, on va faire pareil de l'autre côté en espérant que les chevreaux ne passent pas dans les interstices. Puisque c'est inégal, la palette droite, il y aura des trous. On fera ce qu'on pourra. J'ai terminé, donc j'ai à balayer. Puis désinfection, passage de l'asséchant ou de la chaux, copeaux de bois, paille. Je vais redésinfecter les râteliers, donc je vais nettoyer tout ça. Allez les filles, on y va!
Allez. Allez les filles. Allez Poppy. Allez, allez Sophie. Allez, on y va. Tire-toi. Voilà. Trésor. Allez, filles. Hop là.